Bienvenue à toutes mes histo-curieuses et à tous mes histo-curieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension de Nancy, située place Monseigneur Ruche, en Lorraine. La cathédrale est une merveille catholique romaine, souvent confondue à tort avec une basilique mineure. En réalité, depuis 1867, elle bénéficie des indulgences liées aux basiliques majeures romaines. Classée monument historique depuis le 9 août 1906, elle est un trésor architectural et spirituel. Au Moyen Âge, Nancy dépendait de l'évêque de Toul. Mais en 1602, les ducs de Lorraine obtiennent le statut de siège primatial pour la ville. Construction de la cathédrale actuelle commence en 1703, sous le règne du duc Léopold, poursuivi par le roi Stanislas. Après maintes péripéties politiques, la première messe est célébrée le 1er novembre 1742. Avec la réunion de la Lorraine à la France, la création de l'évêché de Nancy devient enfin possible. Le diocèse de Toul est démembré et la cathédrale devient le siège du nouveau diocèse de Nancy. L'évêque cumule le titre de primat de Lorraine. En 1867, la cathédrale reçoit le privilège des indulgences des stations qui se gagnent dans les diverses basiliques de Rome, rappelée par une importante plaque de marbre à l'entrée. Les plans conçus en 1700 par l'architecte Giovanni Beto, s'inspirant de l'église Sant'Andrea della Valle de Rome, modifié par Jules Ardoin Mansart et terminé par Germain Beaufranc. L'édifice offre une architecture classique et sobre. La nef mesure 60 mètres de long pour moins de 14 mètres de large, avec une décoration d'ordre corinthien. Les anges sculptés présentant des attributs symboliques de la Vierge Marie. Le maître-autel entouré de stèles dessinées par Beaufranc est daté de 1763. La coupole centrale, décorée par l'artiste nancéen Claude Jacquard, est un véritable chef-d'œuvre de gloire céleste. Les chapelles latérales, malheureusement en travaux, ornées de grilles de Jean Lamour et François Jeanmaire, ajoutant de la splendeur à l'ensemble. La façade est équilibrée avec ses deux tours coiffées de dômes, surnommées les poivrières Pompadour, par Victor Hugo, offre une vue majestueuse. Il faut également noter la présence d'un Christ en croix attribué à Ligier Richier et le trésor renfermant des objets liturgiques du Xe siècle, ayant appartenu à Saint Gauzelin, évêque de Toul. En hommage, une plaque rappelant la mémoire du cardinal Eugène Tisserand, natif de Nancy. C'est ici que se termine notre exploration de la cathédrale de Nancy. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner pour plus de découvertes historiques non loin de chez toi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et quant à moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi.